Salut tout le monde, hey, coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Je dis bien petite parce qu'on, vous voyez, on n'est pas dans notre décor. On vient juste de rentrer de course, enfin de shopping. Et on va vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté à Action et à B&M. On a fait plus d'achats à Action qu'à B&M. Donc je vais vous les montrer les produits comme ça avec les prix. Tu peux venir. Alors du coup, je me suis pris des petits pinceaux comme ceci. Idéalement pour nettoyer la tour de mon PC gamer, et faire éventuellement d'autres choses. Donc ça, je l'ai payé. J'ai pas mes lunettes, donc je m'excuse. Je vais pas voir clair pour l'instant. Je sais plus. Au pire des cas, la magie du montage vous mettra les prix. Voilà, hein, on va garder ça comme ça. On va pas s'emmerder la vie. Ensuite, je me suis pris alors 4 petits crayons comme ceci. Ils sont trop mignons, je trouve. Et ça, il me semble que c'était à 40 centimes là. Voilà, ils sont trop mignons. C'est des crayons à billes. Hein. Ils sont trop choux. J'aime bien. Et pour ma déco dans ma PR, je trouve que ça va carrément bien aller. Ensuite, un jouet pour ma loulou. Enfin, pas pour que pour elle, mais voilà. Voilà, vu que c'est elle la plus jeune. Je me suis pris. En fait, je vous y montre, mais c'est pour un projet. Voilà. Voilà, c'est des rubans comme ceci. Je crois que c'était 1,99€ l'un, il me semble. De toute façon, je vous mets au montage, vous aurez les prix en soi. Des piles, parce que les piles, on n'en a jamais assez. Donc j'ai pris ceux-là et j'ai aussi pris des plus petites, normalement. Ah! Mais non, tu fous, non? Des fous. Non. Ah, what the fuck? Bah écoutez, pour l'instant j'ai que cela, mais normalement j'ai pris des... J'en ai pris des... Bon, bref, là. Ensuite. Alors j'ai pris un gant pour brosser les chats. Alors ça c'est pour Topaz, parce que Topaz elle a des pellicules. Enfin voilà, c'est un vieux chat qui est noir, qui a besoin d'entretien. Donc je me suis dit ça peut être bien pour elle. Ensuite, je me suis pris un cahier à colorier. Donc c'est pour se déstresser un petit peu. Et je n'ai pas les feutres, je suis débile, mais je n'ai pas les feutres. C'est pour ça que je suis un peu déçue, mais bon voilà. Ensuite, j'ai pris 3 carnets. Donc vous savez, je suis... Ah ben les piles, les voilà. Je suis Madame Carnet. Donc j'en ai pris en moumoute comme ça un petit peu. Un en strass noir, enfin noir pailleté. Et un autre, c'est un bullet journal précisément, et effet un peu marbre de toutes les couleurs. Voilà, les prix seront à l'écran. Et bien sûr, donc les petites piles AAA. Voilà. Une pelote de laine pour faire un essai de quelque chose. Alors, c'est de la grosse laine. J'aime beaucoup, c'est de la grosse laine. Est-ce que ça fait le focus ou pas? Ouais, c'est de la grosse laine, j'aime beaucoup. On va voir. Du produit pour les chiottes, voilà. Et attendez, non, j'ai pas pris que ça. Et ça, c'est du carpet tape. C'est pour accrocher mon tapis parce qu'il me fait chier. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris ce cadre là. Donc, on glisse la photo dedans. C'est pour mettre mon papa dedans. Voilà, j'ai besoin de le voir en plus grand. Donc, voilà. Et je crois que l'action pour moi. C'est tout ce que j'ai pris personnellement. Il reste de la radio. Ah oui, il reste là, oui. Il reste les papiers, non, les sacs poubelles pour les WC et tout. Et la raldite, enfin la colle glue quoi. Voilà. Vous aurez tous les prix, bien sûr. Ah oui, c'est pas fini. Ah oui, ça c'est génial. Alors ça, j'ai pris ça aussi. C'est des bordures pour, pour les parterres de dehors. Voilà, je vais acheter des fleurs, je pense, dans la semaine. De toute façon, je vous montrerai, je vais vous montrer ça dans un vlog, je pense. Dans le vlog qui va arriver là, où vous avez déjà vu, je ne sais plus quand vous allez voir cette vidéo. Mais voilà, je trouve ça trop bien, c'était 3€. Je crois un truc dans les 3€ et des bananes, voilà. Donc je trouve ça bien, voilà. À toi, Sarah, t'as acheté des trucs à Action, Sarah? Oui, à Action. J'ai pris un petit truc comme ça... En fait, c'est un espèce de roller. Attendez.
une espèce de truc comme ça, c'est un bonbon, quoi. C'était juste pour goûter. Ensuite j'ai pris ça, j'ai vu plein de gens qui parlaient de ça. C'est à la lavande au patchouli, c'est comme, c'est pour, c'est un parfum d'ambiance quoi. Voilà, ensuite j'ai pris des petites barrettes noires parce que comme ça, ça se verra pas dans mes cheveux pour le côté. Un petit jouet pour mon bébé qui fait, voilà, il fait ça, il va être super content. Et... ouais, souvenez-vous bien de la gueule du jouet parce que dans 2 heures, il sera plus comme ça. Voilà. Et ensuite, un truc... Un brou. Moi j'appelle ça un brou, un pichetao. Un pichet quoi. Ouais. Pour faire du thé. Ou du café glacé. Ou du café, enfin voilà, ouais. Ou de l'eau, enfin un truc, voilà. Pour... alors ensuite, nous sommes passés à B et M. Et je tiens à dire que B et M, c'est devenu... enfin aujourd'hui, en tout cas, ça m'a déplu. Le magasin m'a déplu. Entre les articles où il n'y avait pas du tout de prix et les articles qui vendent encore plus cher qu'en magasin, pour un magasin discount, je suis désolée, mais... mais j'ai quand même pris des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Déjà, j'ai pris 2 griffoirs pour mes chats. Pourquoi 2? Parce que bah, B&M, c'est quand même assez loin de chez moi. C'est à l'autre bout de Clermont-Ferrand. Et clairement, si le magasin continue à être merdique comme ça, je vais pas y retourner de sitôt. Donc, j'ai préféré faire le stock de grattoirs comme ça. Voilà. Et ils sont très bien et les chats apprécient. Ensuite, je vais vous montrer les grosses pièces. Tiens, j'ai pris ce... cadre, ce très grand cadre Bouddha version argentée, il était en version dorée, mais voilà, j'ai pris celui-là et je sais où je vais le mettre. De toute façon, vous aurez les prix, hein. Voilà, tac, voilà. Ensuite, on a trouvé ce sac trop mignon avec Sarah, et du coup, je l'ai pris. C'est un sac à main très en jean. Là, je trouve ça bien, ça passe quand t'es en t-shirt ou quoi. Enfin, je sais pas, j'aime bien. De toute façon, je suis Madame Sac, j'ai plein de sacs à main et j'assume. Je le trouve trop beau. Voilà, ceux qui n'aiment pas, tant pis. Si ça vous plaît, hein, des hauls, je vous en ferai souvent parce que bon, je vais quand même souvent en magasin. J'ai pris une recharge de coton-tige en bambou. Voilà. J'ai pris des ventouses. Donc ça, c'est des ventouses. On va faire un système avec mon mari pour qu'on puisse sortir dehors sans passer dans la chambre de Sarah. Pour les chats, en fait. Enfin, pour pas que la porte-fenêtre s'ouvre de l'extérieur. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits bonbons finis. Mais je pensais que c'était bonbons. En fait, c'est des chewing-gums. Donc, je sais pas si pour manger, on verra bien. J'ai pris des trucs que je ne connaissais pas pour goûter. C'est des biscuits au chocolat et à la banane. Voilà. Ensuite, encore toujours pour goûter, j'ai pris des biscuits au chocolat et à la noix de coco. Toujours pour goûter. J'ai pris des biscuits au chocolat et à la guimauve. Voilà. Ensuite, alors j'étais dégoûtée, d'habitude je prends toujours mes bougies en cire naturelle chez eux et ils n'en avaient plus. Donc j'ai dû prendre une bougie parfumée au bois de figuier qui sent, mais alors... vous pouvez pas en tirer, mais elles sont trop trop bonnes. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette bougie. Et puis je crois que c'est tout, il me semble. Ouais, il me semble que. Enfin, c'est déjà pas mal, mais il me semble que c'est tout pour BM. Vous inquiétez pas, on vous refera des hauls. Voilà, je laisse ça passer à Sarah. Moi, du coup, à BM, j'ai pris. Alors, ça, c'est de la barbe à papa américaine comme ça. De plusieurs couleurs à l'intérieur, c'est bon, ça va. Ça casse pas trop pâté un canard, donc c'est quand même bon. J'ai pris des petits chips au bacon pour les chiens et j'ai pris aussi une bouteille de coca vanille, mais elle a été explosée par terre donc je peux pas vous la montrer là parce que pour vous la montrer à l'endroit, je peux pas. Et je suis aussi passée à Cultura pour vous montrer. Hop. C'est à Cultura, j'ai pris tout ça avec les 30 euros du pass culture plus 2 que j'ai acheté moi-même. J'ai pris du coup le tome 3 Sailor Moon avec le pass culture, le tome 8 de Demon Slayer avec le pass culture, le tome 11 de One Piece avec le pass culture et le tome 10 de Eden Zero avec le pass culture. Et après moi-même j'ai pris du coup le tome 9 et 10 de Demon Slayer qui vont directement aller dans ma bibliothèque.
Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ce fut une vidéo courte, vous serez contents pour une fois, hein. On a été rapide, on espère que les vidéos rapides comme ça vous plairont pas. Comme ça on pourra prendre notre temps. Voilà. Mmh. C'est vrai qu'on n'est pas dans notre. On est dans la cuisine là et tout, on vient juste de rentrer et je me voyais pas me poser. On a envie de profiter de nos articles de suite. Ouais. Et pas attendre 3 jours pour filmer ça. Voilà. Donc bah écoutez, si les vidéos haul vous plaisent comme ça, parce que bon, outre qu'on va à BM, qu'on va à Action, Noz et compagnie, on fait aussi beaucoup d'achats sur internet, Amazon, machin. Donc si vous voulez qu'on vous montre des hauls de ce qu'on achète, que ce soit Amazon ou quoi, des hauls tout court, mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ouais. Voilà. Mais écoutez, nous on vous laisse, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bye, bye.